Alors Pascal, invitation bien reçue? Absolument, j'ai repéré deux petites créatures, je te raconte pas, je ferai le détour rien que pour elles, quoi. Aïe aïe aïe. Dis-moi, tout va bien pour toi. Dis-moi, c'est un concours qui t'a fait devenir professionnel. Comment t'as deviné? C'était là. Ah ouais, d'accord, manque de peau. Ouais, c'est un concours, ça s'appelait le Rêve Antillais, c'est la chose la plus fabuleuse qui me soit arrivée, parce que c'est un peu grâce à ce concours-là que j'ai pu devenir celui que je suis aujourd'hui. Et... C'était les gens de Cassave qui chapeautaient Jacob là-bas. Ouais, il y avait les gens de Cassave, il y avait aussi beaucoup d'autres artistes dans le jury, il y avait aussi des producteurs, il y avait des gens de boîte, il y avait plein de gens quoi en fait. Et je connaissais pas du tout ce monde-là, donc tu imagines, j'étais complètement affolé. Et puis quand on m'a dit j'ai gagné, j'ai pas cru. Ouais. En fait, on m'a pas dit j'ai gagné, tu sais, on a demandé à un moment au public de départager. Et bon, j'ai bien écouté, il me semble que j'ai entendu plus d'applaudissements pour les autres que pour moi. Oh, je me suis dit, c'est toujours comme ça, rassure-toi, c'est toujours comme ça. Bon, ben, si tu le dis. Et puis bon, succès, et premier puis, album. Et puis ouais, et puis après, j'ai commencé, et puis j'ai essayé de faire des trucs bien, quoi, j'essaye. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? En ce moment, comme je suis en train de préparer des spectacles d'un certain genre, donc j'écoute plein de choses qui peuvent m'influencer, donc ça va du classique au raga en passant par le baroque et puis enfin plein de choses quoi. Bookman Experience n'est pas dans ta discothèque? Bookman Experience, c'est pas un truc américain un petit peu? Non, c'est un groupe haïtien. Bon, j'ai tout faux, bon. Merci. Bon, je te propose de les découvrir tout de suite, Bookman Experience avec Poisson Rat. Et après tu me donnes tes impressions. Il y a des nanas comme ça, genre. N'importe quoi.